Bonjour à tous, c'est GGCool06, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'hab. Alors on se retrouve pour le premier épisode de notre nouvelle aventure sur Batman Arkham Knight. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de pas avoir fait de vidéo pendant presque un an. Plus d'un an, parce que j'ai arrêté au mois de mai 2014. Et enfin voilà quoi, je vais vous donner vite fait les raisons, mais vous savez que je suis étudiant à la fac et j'arrive à la fin de mon cursus universitaire, hein, n'est-ce pas? Enfin voilà quoi, on s'en tape, je vais pas vous saouler avec tout ça, on est là pour jouer, donc c'est parti, on commence. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats. Alors il faut savoir que j'ai déjà lancé le jeu une fois pour tester, pour voir si tout marchait bien, et là c'est à nous de brûler le Joker. Allez! Alors on le brûle un petit peu, vite fait. Et comme on est sadique, on arrête là. Non, je voulais arrêter avant, merde! Je suis dégoûté. Ça commence par un fail. Allez, je me tais. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Allez les gars, c'est parti pour notre nouvelle aventure. Je crois que le mec à droite, c'est un des chargés de la communication du jeu. On le voyait souvent à l'E3, je crois. Enfin, on l'a vu souvent dans les vidéos de l'E3. Enfin bref, je m'embrouille, on s'en tape. Oula, toi t'es un petit peu masculine. Hein. Comment merci. Tu t'appelles? Avec Sharon. Ah, merci mon chou. Oh yeah. Ouais. Il y a Batman, c'est ouais. Hitman. L'agent 47, y'a qui d'autre de connu? Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec. Ouais, non, je sais pas, je voulais partir sur un délire un peu spécial, mais. Vous voudrez, monsieur l'agent. Mais non. Oh, et faites-moi signe si vous voulez du café. Je vais essayer de me taire, hein, parce que je sais que j'ouvre beaucoup et ma gueule. Avec supplément de bacon. Donc tout ça, hein, j'ai déjà fait, je vous dirai quand est-ce que... Oula. Excusez-moi d'interrompre votre quand repas, est-ce que je... Owens. J'arrive sur une partie mais que je n'ai pas commencé. Il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. 2 secondes, je vais le voir. Et là, ça va être la merde. On se casse, parce qu'on a peur. Ah, on peut? Ah ouais. Je devrais aller voir ses clients qui fument avant de m'en aller. Ah merde. Ok, on y va. Ah, j'ai pas envie. Allez, c'est parti. On voit pas ta tête. Excusez-moi, monsieur. C'est non-fumeur ici. C'est vraiment trop classe, on nous plonge dans l'ambiance un peu spéciale de Batman Arkham Knight et du délire de l'épouvantail. Et ça, ça défonce. Sors ton gun, pote.
Allez. Donc là, c'est moi qui tire, hein, mais c'est totalement scripté. Oh non, j'ai déjà plus de balles. Non. Non. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Et pire encore, il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Voilà, c'est reparti. Désolé, j'ai eu un petit souci avec l'HD PVR. Ça commence super bien, cette nouvelle aventure. on est en train de me bizuter. Ah, ça fait plaisir d'avoir un Batman sur PS4. C'est hyper beau. Le boost grappin, on l'a toujours parce qu'on l'avait dans Batman Arkham City. On l'avait même déjà dans Batman Arkham Origins, alors que ça n'avait aucun sens. Mais bon. Et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé Batman Arkham Origins, mais perso, moi, ça m'a pas gêné. Ça nous a permis d'attendre ce Batman Arkham Knight. C'est par où? C'est par là. Donc tout ça, j'ai déjà fait. Hein. Enfin, j'ai refait une partie pour vous. Hein. Oh, on est déjà arrivé. Waouh. Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai. Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. Attendez, unité. On a un 1033, secteur 2. Voiture de patrouille disparue, unité 247. Possible officier à terre. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Oracle,
Je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père ? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents, ça risque d'être délicat. Ah non, franchement, ce jeu est juste magnifique. C'est par où ? Ok, c'est bon. Ah oui, au fait, j'espère que ma petite intro vous plaît. J'ai fait ça très vite fait, comme d'hab. Vous savez que mes intros sont toujours très simples. Oula, merde. Waouh, mais on peut s'accrocher hyper loin. Et le jeu est vraiment super fluide. Il y a plein de pluie de partout et... Enfin, de gouttes de partout. Et c'est méga fluide. Ah oui! Oui! Petit combat! On va essayer de faire des petits enchaînements. Oula, j'ai du mal à parler, c'est un truc de malade mental ça aussi. On doit entendre les touches. Je suis désolé. Oh yeah! Merde, merde! Tant pis! Oh les coups de coude, c'est un violent! Merde! J'ai l'impression que le système de combat est un peu plus. Réactif. Yeah, l'esquive. Où est-ce que t'es? Waouh. Le flic. Hey, Batman, me laissez pas là, je vous en prie. Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites ? J'équilibre le jeu. J'équilibre le jeu. Alors j'ai pas continué beaucoup plus loin mon aventure tout à l'heure. Quand j'ai fait ma petite phase de test. La Batmobile, mon pote. Eh ouais. Oracle, j'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Et voilà, on a la Batmobile. Rappelez vos hommes. Donc franchement, c'est hyper maniable. Faut que je me taise encore, il n'arrête pas de parler, de me couper. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut avoir ces fumiers. Wow! Ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est, ces types ? 5-6, repliez-vous tout de suite. C'est un ordre. Je viens d'envoyer voler un mec en même temps. 56 a essuyé un tir de roquette. Ils ont été éliminés. Merde, il m'a touché, l'enfoiré. Je vais les arrêter. Ne vous inquiétez pas, Jay. Il est à moi. C'est fini ? Non, pas encore. Là, c'est fini. Et voilà pour la vie. Où j'interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. Eh hey, oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok. Interrogez le soldat. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe? Où est l'épouvantail? Va te faire foutre! Où il est ? Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle ! Ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi ? Ah ! Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin.
Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. Monter dans la Batmobile. Je crois que c'est pas très loin. Je me suis arrêté. Bah vous verrez. Hein. Je vous le dirai. Putain mais c'est trop super génial de faire un petit Batman sur PS4. C'est si, ici. Merde, voilà. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. On y est ? Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de l'asphyxier. Essayez un peu. On doit la garder combien de temps ? Jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de l'asphyxier. Essayez un peu. J'ai encore eu un problème avec l'HDPVR. Putain de merde. Donc j'ai dû recommencer. Ah, ça me saoule. Franchement, promis, je vous le promets, dans le prochain épisode. Enfin non, pas dans le deuxième parce que je l'enregistre à la suite, mais je vais régler tout ça. Merde, 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 merde. Toi, dégage. Je devais passer par là. Allez, x12, x13, non. C'était fini. On va passer par le toit parce que ça fait classe. Élimination. Regardez qui est là. Allez, des combos. Oh, j'adore cette esquive. J'espère juste que je pourrai réduire le son des touches au montage parce que ça doit être vraiment dégueulasse dans vos oreilles. On a fini ? On a pas trop mal assuré. Voilà qui rend les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non ! Non ! Non ! Rien ne vaut une petite intimité naturelle. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé ? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas ? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion ? Il y avait tout le monde. Le pingouin, Double Face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter, et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il n'apprendra donc jamais. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a ? La cible, elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr ? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait dur. Eh ouais, nous les gars, on n'a pas le temps, on va prendre la Batmobile.
Alors, maintenir L2 pour passer en mode combat. Je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. Je vous attends. Où êtes-vous? Oh. Y'a personne? Mais si, j'étais sûr qu'il y avait des gens. Oh! L'enfoiré. Toi, c'est bon. Toi. Non. Toi, c'est bon aussi. Yeah. Allez. Oui. La défonce. Toi, là-haut, je t'ai vu. Non, sérieusement, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est super maniable. Merde. Je me dis ça et je me fais défoncer. Yeah, petite esquive à la dernière minute. Allez. On a fini? Ouais, c'est bon. Il faut qu'on parte. Le maître a contesté de l'euphémisme, comme toujours. Aura, j'ai besoin de savoir d'où viennent ces tanks. J'ai repéré plusieurs hélicoptères de transport qui arrivent en ville. Et c'est pas fini. Activez le diagnostic d'armement de la Batmobile. La guerre est déclarée. Ah, ça me saoule, ça a encore bugué. Enfin, pas bugué, mais vous savez, mon HDP vert, le truc qui me sert à enregistrer mes parties, a encore bugué. Simulation activée. Alors. Allez, ramenez-vous. Ouais, je sais. Je me suis arrêté juste après ça. Ok, vous êtes là. Je crois qu'il tire pas, hein, donc je peux rester statique. Merde, mais... Eh... Ah ok, en fait ils réapparaissent. Oh le mec, j'ai mis 10 ans à comprendre. Tu tires ou pas? Non, il ne vise pas, donc c'est que c'est bon. Merde. J'ai cru que c'était un méchant. Comme d'hab, hein, vous savez que les premiers niveaux c'est toujours un petit peu la phase didacticielle. Allez. Sinon on peut tirer à la mitrailleuse. Ouais, c'est moyen. Autant y aller avec ça. Quatre fois carré. Hop là, et on a fini. Allez, dégage. Toi, pareil. Non. Merde. Voilà. Allez. Je parle pas trop, hein. Je me concentre parce que vous savez que moi, la conduite, ça fait 12. Et là, on doit se battre en même temps, donc... Allez, putain, j'ai esquivé l'autre. Non, il en reste. Eh, hey, mais laissez-moi tranquille. Ah non, voilà. Ok. On continue. Batman, un transport déploie d'autres tanks à Panessa Studio. J'ai prévenu le GCPD pour que leurs hommes évacuent. J'y vais immédiatement. À toutes les unités, ici le commissaire Gordon. J'essaye de me taire un maximum hein, quand il parle, sauf que là je parle pendant qu'il parle pour vous dire que je me tais. Merde.
On n'est pas équipé pour faire face à tout ça. Heureusement, il y en a un qui... Mais nous, on est équipé. Hop là, pas le temps de se prendre la tête. Tu fous le camp aussi. Oh yeah, c'était magique. Vous là-haut. Merde, je t'ai pas eu. Le con. Ah si. Allez. C'était chaud. Plus que 3. Merde, je me suis fait toucher. Merde, je pensais que j'allais la voir avant. Oh, le con. Et c'est fini. On doit aller où maintenant? Jim, vos hommes peuvent reprendre leur patrouille. Les tanks sont neutralisés. Tant mieux. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça m'étonnerait. Je vais avoir besoin de la chambre d'isolement du GCPD. J'amène Ivy. C'est par là. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir hein, que je fasse ce jeu sur ma chaîne. Surtout que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je voulais revenir avec un jeu un petit peu imposant, quoi. Un jeu qui envoie du lourd. Non, franchement, c'est trop maniable. C'est un truc de malade. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment en mode détente. Je vais pas faire énormément de montage. J'ai pas envie. J'ai envie que vous puissiez voir toute l'aventure avec moi. On entre par là. Ok, moi je m'étais arrêté vraiment juste après. Hein. Enfin, juste avant ça. Oula. Pas vrai ! Ne tirez pas ! C'est Batman ! C'est quoi ça ? Blague ? Je croyais qu'on nous attaquait. L'analyse de la toxine de terreur donne quelque chose ? Ça va prendre encore un peu de temps. Passez me voir à la tour de l'horloge quand vous pourrez. Je vous montrerai où j'en suis. Qui t'a appris à conduire ? L'épouvantail va te briser, Batman ! Franchement, pourquoi est-ce que tu te démènes pour ces humains ? Des troubles civils ? C'est la guerre dans les rues ! On n'a ni les hommes ni l'équipement qu'il nous faudrait ! Tenez, regardez qui est là. Ivy, ça nous fait toujours un souci en moins. La cellule d'isolement est prête. Ravi que vous en fassiez bon usage. Oh super, une autre cellule. Oh, un petit trophée. On va faire un petit tour hein. Je vais pas passer 15 ans ici. On va continuer l'aventure. On fera aussi des missions annexes. Par là il y a quoi? Ça, je ne peux pas y faire grand chose. Ils n'ont qu'à m'envoyer la facture quand ce sera... Bonjour. Salle de communication. On n'est pas de taille à affronter ça. J'ai des hommes à terre. Ok, je suis sûr qu'il y a des petits trucs cachés. Des petites références. Putain, mais ils arrêtent pas de parler! Ah non, c'est bon. décroche. C'est quoi par là? Salle d'épreuve. Un petit trophée, normal. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu as commencé à mettre ton pied. Résolver les énigmes pour déverrouiller des concepts artistiques. Ok. J'ai eu tout le temps de les mettre au point. Après que tu m'as laissé battu et humilier à Arkham City. Je suis l'homme mystère, Batman. On ne m'enfonce pas. Waouh. Alors, résous mes énigmes. Bane. Le Joker. Elles seront très importantes. Le chapelier fou. Deadshot. Killer Croc. Ah, c'est fun! Un fusil et deux canons sur bracelet.
utilisé par Floyd Lawton, alias Deadshot. Ah, et ça, c'est dans Batman Arkham Origins. Ah, ils ont intégré ça dans Batman Arkham Knight. Même Anarchy. Ah ouais, pas mal. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Le grand requin blanc? Ah oui, dans Batman Arkham City, je crois. C'est le... l'animal de compagnie du pingouin. Je parle du nez, c'est un truc de dingue. Black Mask, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, pardon. Ok, on se tire. Harley, waouh. Allez, on se barre. Oula, j'ai sonné. On sort par où? J'avais entendu comme un bric. Salut toi. Si ça tenait qu'à moi, on utiliserait ses armes au lieu de les laisser prendre la poussière. C'est par là. Salut Gordon. Allez au diable! Foutu bureaucrate. On est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leurs dernières coordonnées connues, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrés à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupé, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite. Alors, sélectionner, sélection de mission. À quoi ça correspond? Ah, ok. Le meurtre. Ça, c'est quoi? Un pompier, ok. L'homme mystère. Et la principale. On va faire encore un petit coup de je mission principale. De ça plus tard. L'épouvantail est la priorité. J'ai jamais vu d'aussi. Fernandez, c'est Gordon. Dieu sait comment il s'en est sorti sans tirer sur personne. Les clients du resto se sont entre-déchirés. C'est moi? Ou la toxine continue de faire effet? J'espère que tu te trompes. Il vit un enfer. Hé, Batman! L'épouvantail t'a filé entre les doigts? Tu m'as cassé le poignet pour rien! Ta gueule, toi! Il y a des projets pour toi, Batman! Pour toi et tous tes amis! Cette nuit, on va enfin détruire... Oh, pas mal! Je me suis dit, je vais essayer de le taper à travers la vitre, enfin la grille, pardon, et ça a marché. Ah, oh, c'est fun. Y en a pas un autre? Ouais, non, on va arrêter de faire le chacal. On va arrêter. Oui, j'ai dit, on va arrêter. C'est quoi ça? On s'en sort pas très bien là-dedans. Je dois retourner là-bas. Pas question. Vous avez une commotion cérébrale. Ils ont besoin d'aide. Vous ne pourrez aider personne dans votre état. Vous allez vous faire tuer. Le truc est passé au niveau supérieur. Touchez pas ma voiture. Rien, il s'est changé en temps. Oh. Bonsoir, Zioé. Oula, Lucius Fox. J'espérais que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment. Il est sérieux. Post-combustion. Post-combustion, c'est quoi ça? Waouh. Vous voulez me remercier, je m'envole, je m'envole. Oh, ça défonce encore plus. Bonjour. Non. Allez, on va essayer de repartir sur une bonne base de combat. En faisant des petits... C'était quoi le truc rouge de la Batmobile? L'homme mystère, dis-moi ce que tu sais sur lui. C'est bon, je vais te parler. Me fais pas de mal. Bien. Oh, le malade. Donc ça, c'était juste pour le fun. Hein. Mais c'est quoi, ça? Ah, c'est par là. D'accord, ok. Yeah. On passe par là, ou... Ouais, non, on va se le faire comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais, Batman?
Je fais de la merde, c'est super génial. C'est par là. Voilà. Et maintenant ? Je comprends pas. Quoi ? J'ai hâte que l'épouvantail répande son truc. Ah, ok. On commence sérieusement à tourner en rond. On peut rentrer dans l'espèce de d'horloge ? Wow. Mode détection. C'est pour rentrer. Attendez, je comprends pas, on n'a pas... C'est quoi, c'est une Batcave ? Ah ouais, à l'ancienne ! Dans le buste du mec, il y a un petit bouton et tout. Oh, ça défonce. J'adore ce jeu. Je l'adore. Oh ! Waouh ! Oui, j'ai encore eu une petite coupure avec l'HDPVR. ça, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un des persos qu'on rencontre dans la série animée de Batman, le dessin animé en fait, qui passait sur France 3, je crois. Waouh. Moi, j'aime beaucoup les petits clins d'œil. Ça me rappelle que je suis super vieux. Oui, j'ai 25 ans, les gens. Utilisez l'ordinateur. Je vais dans votre Batcave farfouiller dans vos affaires. Vous avez réussi à réduire le composé à ses éléments de base. Mais il ne contient rien qu'on puisse traquer. Peut-être qu'on prend les choses dans le mauvais sens. Si au lieu de chercher la toxine, on se tournait vers son processus de fabrication. J'aurais dû y penser. La réaction génère un pic de radiation unique. Scannez la ville et trouvez cette empreinte énergétique. Comme ça, on saura où l'épouvantail fabrique sa toxine. Ça va prendre quelques heures pour aligner les satellites. On n'a pas le temps. Je vais rediriger l'antenne des studios de cinéma. Bruce, j'ai eu mon père. Je déteste lui mentir. Il me tuerait s'il savait que je suis encore en ville. Il s'en veut encore pour ça. On arrêtera l'épouvantail. Juste une question. Comment on fait pour changer de costume ? C'est quoi ça ? Ouais, je sais pas. Parce que là, j'aimerais bien avoir le nouveau. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Wow. Putain, mais c'est vraiment un kéké, hein, ce Batman. Qu'est-ce que c'est ? Jim, on a un moyen de localiser l'endroit où travaille Crane. Dieu merci. Qu'est-ce que je peux faire ? Préparez vos hommes. Je vous ferai signe dès qu'on en saura plus. Parfait. Hihihihihihi.